Assalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille, juste avant qu'elle commence, je vais vous demander de bien la regarder du début jusqu'à la fin et surtout d'écouter tout ce que je vais vous dire s'il vous plaît, hein, d'accord, faites-moi plaisir, écoutez bien tout ce que je vais vous dire. Bon, je devais ce soir sortir une petite vidéo joyeuse, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat. Aujourd'hui, c'était la fête de la naissance de ma petite et tout, donc on a passé vraiment une très très bonne journée avec la famille, les amis, alhamdoulilah, vraiment une journée magnifique. Là, bah forcément, je commence à raccompagner un petit peu toute la famille parce que bah je suis le seul à avoir une voiture. Donc je raccompagne un peu toute la famille et tout. Et le truc là c'est que j'arrive vers Échirolles. Et comme vous le savez aujourd'hui c'est Halloween. Et certains Halloween bah ils font des ballons. Voilà, c'est ce que je lui dis. Je lui dis frérot Halloween, je lui ai parlé hein. Je lui dis frérot Halloween c'est pas fait pour ça normalement. Tu vois Halloween profiter, les bonbons hein, c'est pas fait pour les ballons. Donc il y avait des merdeux qui faisaient des ballons. Et un qui a commencé à vraiment se sentir très très mal. Et ses potes voilà deux ou trois ils m'ont reconnu. Et m'ont dit Abdel s'il te plaît aide-le aide-le. Donc je l'ai fait monter à côté de moi et je l'ai ramené aux urgences. Le gamin en question ne va pas du tout bien. Et je tiens à vous informer d'une chose, j'aime pas du tout utiliser le mot influenceur, mais aujourd'hui je souhaiterais vous influencer à faire une chose, à arrêter cette merde de ballon, d'accord la famille. Je sais que pour certains c'est un business, mais la famille, wallahi al-adim, je vais être honnête avec vous, on peut pas faire de notre business le danger des autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous juge pas, ceux qui vendent ça je ne vous juge pas, je ne vous rabaisse pas, je me permettrai pas, chacun son boulot, comme on dit chacun son gagne-pain, mais ce gagne-pain là la famille il met en danger des merdeux, d'accord. Là celui que j'ai récupéré c'est un merdeux, je pourrais vous inventer ça, ouais c'est un adulte, c'est un merdeux qui sent mal, qui sent plus ses jambes, qui sont, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est dangereux. Et même vous, vous pouvez avoir des emmerdes ceux qui le vendent. Parce qu'il me semble que c'est interdit à la vente. Il me semble que c'est interdit. Donc voilà la famille. Donc j'aimerais s'il vous plaît vous dire de ne pas faire ces ballons-là. C'est dangereux. Voilà. Le merdeux, encore, il est avec ses potes. Il est avec ses potes. Donc ses potes ont pu avertir. Il y a un mec qui passe en bagnole à côté. Imagine, de 1, il n'y a pas de bagnole à côté. De 2, il n'y a pas de potes. Il fait comment? Il y a eu tellement ces derniers temps, hein, j'expliquais avec le mec, je parlais avec le mec de la sécurité, il y a tellement eu des problèmes avec les gens qui font des ballons qu'ils en ont fait un service aux urgences. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a qui ont fini paralysés grâce à ça, ou plutôt à cause de ça. Donc la famille, c'est vraiment très très dangereux. S'il vous plaît, n'en faites pas. C'est pas de l'alcool, hein. Ok, l'alcool, vous savez que c'est dangereux pour la santé. Mais l'alcool, frérot, ça te met pas par terre en train de mourir et en train de ne plus sentir tes jambes. Tu vois ce que je dis ou pas? Là, on est sur un autre niveau là en fait. L'alcool, ça existe depuis la nuit des temps. Le chichon, le joint, ça existe depuis la nuit des temps. Ça a jamais rendu quelqu'un entre guillemets avec une impossibilité de marcher. Chaos par terre en train de mourir et en train de regarder comme ça comme s'il voyait un fantôme. Vous voyez ce que je veux dire la famille? C'est dangereux s'il vous plaît. Et pour Halloween quoi, les mecs, Halloween c'est les bonbons. Je veux pas juger, je suis pas parfait, on est, y a personne qui est parfait ici, mais Halloween c'est les bonbons les copains. Halloween c'est les bonbons. Désolé de vous parler comme ça dans le noir la famille dans la voiture, mais voilà. Voilà, je devais aujourd'hui vous sortir une vidéo joyeuse, mais voilà, et l'adem quand je vois ça, je suis obligé d'en parler. Regardez, il y a plein de gens là qui fêtent Halloween. Machallah, les bonbons là, là, chacun fait ce qu'il veut. Les gens ils veulent faire Halloween, ils font Halloween. Les gens ils veulent pas faire Halloween, ils font pas Halloween. Mais juste la famille. Même bon, allez, ce instinct qui se rince la gueule depuis tout à l'heure. Ok, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Mais là, la famille, le ballon, c'est dangereux. S'il vous plaît, faites attention. S'il vous plaît, je sais que là, en fait, le problème aussi avec ça, c'est que c'est devenu une mode. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débat, mais là, avec ce que j'ai vu, oui, j'avais envie de faire un débat, j'avais envie de donner mon avis. Et si je peux aujourd'hui utiliser le mot influenceur, alors je vous influence à ne pas en faire, d'accord? Pour ceux qui, je sais que certains me considèrent vraiment. Je sais que certains, je suis comme votre frère et tout, à travers une caméra, mais je suis comme votre frère. Et vous me considérez, vous me respectez, vous m'aimez. D'accord? Bah, je vous demande un truc. Ne faites pas de ballon, s'il vous plaît. C'est dangereux. Et vous savez, merdeux. Vous croyez que, franchement, il s'est dit, je vais faire un ballon et je veux plus sentir mes jambes ou je veux partir comme ça? Non? Il s'est pas dit ça. Il s'est dit, je vais faire un ballon comme tout le monde, ça va marcher, tout va aller bien. Non, 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 la famille. C'est super dangereux. Il y a eu des services à cause de ça. Il y a carrément eu des services aux urgences qui ont ouvert. Tellement, pendant une période, c'est devenu une mode. La dernière fois, bon, j'en ai pas fait un débat, mais je vois une meuf avec des copains et des copines. Elle est en voiture. Elle tient le volant et elle est en train de faire un ballon en même temps. Chacun fait comme il veut. Mais un ballon pendant que tu conduis, si t'as une, le ballon, ça travaille ici dans le cerveau. Hein. Si t'as une seconde d'inabsence, feu rouge grillé, voiture qui tape. Et le truc, c'est que déjà de 1, tu mets en danger toi, c'est une chose, mais tu mets en danger les autres qui sont avec toi. Comme je toujours dis à mon petit frère, fais attention quand tu conduis voitures, nanani, nanana. Pourquoi je lui tape dessus? Pourquoi j'ai envie de lui casser la gueule? Parce que j'ai pas envie qu'il fasse l'erreur qui ne se pardonne pas. Et l'erreur qui ne se pardonne pas, c'est soit qu'il se donne la mort à lui, ou soit, pire, pareil, hein, pareil, c'est pire, les deux c'est pire. Ou soit qu'il donne la mort à des gens et qu'il survit. Et ça, je sais que c'est quelque chose de très très compliqué. C'est quelque chose que les gens vivent très mal. C'est quelque chose que les gens vivent très très mal. Il y en a qui ont survécu à des accidents. Si vous allez leur parler, ils vont vous dire, mais c'est les choses qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, j'aurais préféré mourir. Vous allez être étonné, vous allez dire, waouh, carrément. Il va vous dire, j'aurais préféré mourir avec eux. Parce que la personne, elle se sent coupable de la mort de ses amis toute sa vie. Et toute sa vie, elle y pense. Elle y pense qu'elle a enlevé des vies, elle y pense. Et des fois, t'as certains connards qui vont t'y faire penser. C'est pour ça que mon frère, je lui dis, Momo, fais attention, ne prends pas les voitures sans permis, fais attention, nanani, nanana. C'est pour le protéger. Et ça, mon petit frère, malheureusement, il le comprend pas. C'est pour le protéger, il le comprendra jamais. Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, dans ça? Eh, c'est pas mon petit frère, allez, vas-y, tu sais quoi, t'as envie de conduire une voiture? Allez, conduis une voiture, tape-toi un mur, et crève, et puis voilà, ou finis en tôle. Parce que je veux dire, même à mon pire ennemi, je le souhaite pas. Alors à mon petit frère, encore moins. À des gens, des enfants, encore moins. Donc quand je vois des gens en train de faire des ballons au volant, laissez tomber. Puis t'as envie de les taper. Vous allez me dire, mais pourquoi?
parce qu'ils mettent même votre mère, votre père qui est sur la route. Eh la famille, vous avez de la famille à vous qui est sur la route que vous aimez. Bah dites-vous, ces gens-là, ils les mettent en danger à faire des ballons comme ça. Ils les mettent en danger. Ils pourraient tuer votre frère qui est marié et qui a un enfant. Ils pourraient tuer votre frère, le bébé à l'arrière et la femme. On peut tuer. Et on a une conscience, et la conscience, à un moment donné, il va falloir qu'elle se réveille et qu'on se rappelle qu'on n'a qu'une vie. Parce que je crois que là, j'étais RP, ça a fait beaucoup de buzz pour certains, et ils se disent, de toute façon, si je meurs, je vais repop. Ah non, tu repop pas, mon pote. Ah, c'est pas Mario, t'as pas 5 étoiles au niveau vie, là. Non, 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 ça marche pas comme ça. Et il y en a qui l'ont toujours pas compris, la famille. Faites attention à vous. Faites attention à votre vie, elle est précieuse. Et quand je dis elle est précieuse, elle n'est pas précieuse que pour vos yeux à vous. Elle est précieuse pour les gens qui vous entourent aussi. Parce que le jour où vous allez mourir, vous allez aussi tuer psychologiquement les gens qui vous aiment. Jouez pas avec ça. Que ça soit au volant ou hors volant, évitez cette merde. Vous savez pourquoi éviter cette merde? L'alcool, le chichon. Vous savez ce qui fait que l'alcool et le shit, c'est moins dangereux que ça? Je recommande pas ça, attention. Mais vous savez ce qui fait que c'est moins dangereux que ça? C'est que déjà de un ballon, tu peux faire un ballon et tu peux avoir des complications directes avec un ballon. Quand tu fais un shit, quand tu fais un chichon, t'as pas une complication directe, tu finis pas à l'hosto. Hein. L'alcool, c'est pareil. C'est pas en buvant un verre que tu vas finir à l'hosto. Mais ça, en fait, c'est assez traître. Ça se passe au niveau des muscles, ça se passe au niveau du cerveau direct à la seconde. L'alcool, ça prend du temps à monter à la tête. Le chichon, ça prend du temps pour te mettre bien. Tu vois, ça, à la seconde où tu l'aspires, c'est dans le cerveau et ça va mal. Et ça peut toucher à des trucs dans le cerveau qui sont irréparables. Irréparables. Irréparables, la famille. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, si certains m'écoutent, faites attention à vous. Ne faites pas cette merde. Mettre une personne, ça m'a choqué, j'ai même pas sorti la vidéo de ma fille. Je peux pas sortir une vidéo joyeuse avec ce que je viens de voir là. Je peux pas faire, salut les gars, nouvelle vidéo de ma fille, allez la voir, swipe up. Je peux pas faire ça, frérot. C'est pas humain. C'est pas humain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas humain de faire un truc où tu dis à main, ouais les gars, ça va, est-ce que vous allez bien, tranquille, petite fête de ma fille, tout se passe bien, alhamdoulilah. Tu vois, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Donc voilà, faites attention à vous, s'il vous plaît. D'accord? Wallah, on essaye juste de vous protéger. La vie, elle est précieuse, on en a qu'une, la famille. Wallah, el adim, on en a qu'une. On en a qu'une, on a des gens qu'on aime, mais je sais que pour certains, la vie, c'est compliqué. Des fois, c'est une sorte d'échappatoire, les ballons, les trucs. Je sais que certains, si vous avez des problèmes, mais... Ça vous rajoutera juste des problèmes. Wallah, ça vous rajoutera juste des problèmes. D'accord? Prenez soin de vous et de la MIFA. Et on se dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Puis moi, je vais attendre un petit peu voir ce que ces potes me donnent comme news. Puis je vais décoller chez moi. Bisous à la famille.